Bonjour mes abonnés, ici Léa, Passons Cheval. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le concept que j'avais déjà fait avant. Donc il s'agit de faire une vidéo tier list. Donc là, ce coup-ci, ça sera avec les personnages de SSO. Il y a quelques chevaux, mais c'est par rapport à ceux qui ont un cheval, voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc c'est parti, on commence. Donc en fait là j'ai mis la colonne Dieu suprême, voilà. Ensuite les badass, ensuite les sympas, ensuite les 100 plus, et ensuite les OCF ou fait peur, voilà. Voilà mon tableau de tier list par rapport au personnage que je vais placer. Donc on va commencer avec Alex, qui est pour moi une badass, voilà. Sans plus. Donc ensuite un ranger. Pour moi ils ont toujours été bizarres les rangers, donc ça sera dans OCF ou fait peur. Parce que ouais, ils ont drôle de façon, je sais pas, de s'exprimer, je sais pas. Ils sont un peu je sais pas, tête en l'air, je sais pas. Ensuite, enfin bref. Anne. Comme Alex, elle est aussi badass. Après, c'est chacun son avis. Voilà. Ensuite, Avalon. Avalon, il est sympa quand même. Même si on voit pas son visage, on sait pas c'est qui. Il se cache derrière cette capuche, ce gros manteau. Avec les bras, on voit pas ses mains. Donc, je vais le mettre dans sympa quand même. Ensuite, elle c'est qui elle? On dirait la baronne ou je sais pas. Parce que. En fait, ouais, ils ont changé les personnages, donc ça fait bizarre de voir des anciens personnages du jeu. Donc, si c'est la baronne. Bon, on va dire dans son plus. Ouais, je suis pas fan vraiment des vieilles personnes. Ensuite, Concorde. Il est avec. Moi je dirais que je les mettrais avec Alex et Anne dans Badass. Parce qu'il est... Ou dans Sympa, il est quand même sympa, Concorde. Plus dans Sympa. Voilà. Oui, il est trop mignon, moi j'adore Concorde. Trop chou. Je l'aimerais trop avoir en vrai un cheval dans notre écurie et tout. Ça serait trop cool d'avoir les chevaux des soirées en vrai dans notre écurie. Franchement, si un jour ça ferait, bah, waouh, je serais ravi. Ensuite, lui c'est Darko. Donc lui, ça, il appartient au Dark Rider, donc lui il me fait peur. Ouais. Donc hop, ça va dans OCF ou fait peur. Ensuite, là c'est Dellinger, le cheval de Rania. Je trouve quand même pas mal Dellinger. Un petit cheval très sympa, très sympathique, donc je vais le mettre en sympa aussi. Hop. Voilà, donc la vétérinaire, elle, je sais pas, moi je la trouve bizarre. Donc elle me fait même peur aussi. Donc, non, Osez vous fait peur. Ensuite, Elisabeth, ça dépend en fait. Pour moi, elle a deux côtés, elle a deux faces en fait, cette personne. Donc je me disais dans 100 plus. Parce qu'elle est quand même sympa, mais il y a des moments, je sais pas, je la trouve un peu. Désorienté, je sais pas. Un peu dans les vapes, un peu dans ses rêves. Voilà. Ensuite, lui, c'est Eric, je crois, lui. Eric. Donc, lui, il sent plus aussi parce que. Il m'a pas fait trop d'effet. En fait, il reste simple, une personne simple. Donc, sans plus. Même s'il est sympa. Ouais, qu'on n'a pas eu beaucoup de missions avec lui, donc je peux pas trop avoir mon avis sur ça. Ensuite, Evergrey, il est pas mal Evergrey, moi j'aime bien Evergrey, on va être dans Badass, hop. Ensuite, oh j'aime trop Fripp, il est trop mignon comme être cosmique, donc je le mettrai dans Dieu suprême, ouais, il est trop mignon, franchement il tape à l'œil, comme on dit.
En plus, comme il a évolué, donc c'est plus le même, mais il était comme ça avant. Ensuite, c'est qui lui? C'est un ami à Eric, mais donc lui, sans plus, parce que. Ou c'est une femme, je sais pas où c'est. Je sais pas c'est quoi. C'est une femme ou sans commentaire, je sais pas. Donc, dans sans plus. Ensuite, à James. Je crois que lui, il parle beaucoup trop, lui, James. Mais je le mettrai quand même dans sympa, il est quand même sympa. Lui. Hop, voilà. Ensuite, lui, c'est Justin Morland. Oh, lui, il est basique aussi, donc. Oui, quand même sympa, mais bon. Sans plus. Il est comme Eric, tout simple. Ensuite, Monsieur Sand, il est aussi Dark Rider. Il me fait trop peur, lui, franchement. J'aimerais pas l'avoir en face de moi, en IRL. Je me cacherai. Je fuirai. Il fait trop peur, il est dans Osef, il fait peur. Hop. Ah, Météor, le cheval de Linda. Je le trouve trop sympa, lui. Donc, ça va dans sympa. Voilà. Pareil pour le cheval de Madison, il est trop sympa aussi. J'aime trop. Les chevaux comme ça. Ensuite, Rania, elle est sympa aussi, malgré son handicap qu'elle est aveugle. Je l'ai pris dans sympa. Voilà. Ensuite, c'est qui elle? Oula. Une des deux, c'est la mère de Rania, c'était celle-là, ou ça, ouais. Donc, dans en plus, parce que les mères, enfin, dans en plus. Pareil, parce que je les connais pas trop en fait, on les voit pas trop. Histoire du jeu, on voit un petit peu à un moment donné, mais voilà quoi. Enfin, bref, ah, Starshine, alors là, en sympa. Hop, Tan, alors Tan, je préfère plus Tan que Loretta quand même, donc je la mettrai dans. J'hésite entre sympa ou sans plus. Ah, comme elle fait partie des Bad Kegler, je pense que je l'aimerais dans 100 plus quand même. Même si je l'aime bien quand même. Que Loretta. Voilà. Ensuite, Thomas Morland. C'est aussi un type basique. Donc on va mettre dans 100 plus aussi. Hop, il y a beaucoup de 100 plus quand même. Ensuite, Tikan, le cheval de Alex. Il est sympa aussi. Hop. Encore une fois, un ranger qui me fait peur. Oh, ça va direct dans Osef, vous fait peur. Et Idriss, pour moi, ça serait aussi un dieu suprême avec Fripp. Voilà, on a terminé la tier list de quelques personnages de SSO. En tout cas, j'espère que vous aura plu et je suis satisfait de mon choix. Donc voilà. C'est pas mal tout ça. La vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Je continuerai à faire ça. Ce genre de concept là. Donc nous on va se laisser là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ou à vous abonner et aussi à commenter. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye pour de prochaines aventures.